Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Bonsoir Damien. Bonsoir Grace. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Ah, bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. Ah, bonsoir. Il y a Clé, bonsoir Clé. Yeah, bonsoir. On est tous là, on est là jusqu'à avec vous. Oula. Oh là, ça y est, je me suis emmêlé. C'était tellement bien parti. Ouais, c'est dommage. On se craque en plein milieu comme ça. On est là avec vous jusqu'à 23h, les amis. On va continuer cette émission spéciale alimentation. Vous pouvez bien sûr réagir dans le chat de Twitch. On lit tous vos messages. Donc n'hésitez pas à nous dire comment vous. Quelles sont vos habitudes alimentaires? Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Et du coup, bah, je propose, puisqu'on est dans le sujet, dans le thème, qu'on demande à Mathieu de nous donner quelques conseils pour manger responsable. Allons-y, allons-o. Exactement. 7 astuces pour manger de manière plus responsable. Alors, je vous cache pas que je suis allé sur un site. Je te passerai la source tout à l'heure. Ouais, alors, pour manger responsable, moi, je te propose de mettre une petite musique responsable aussi, si tu veux. Eh ben, vas-y. Alors, musique responsable. Oui, d'accord. Alors, connaissez-vous la marque Feed F2ED? Ouais. Oui. Donc ils font tout ce qui est plat en poudre. Oui, 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 exact. Entièrement lyophilisé et tout, nanana. Oui. Et donc, ben, je suis sur leur site. Donc, ils proposent 7 astuces pour manger de manière responsable. D'accord. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai rien inventé. On n'a rien inventé. Voilà, je suis en train de nous dire que t'enfonces les portes ouvertes, c'est ça? Bah non, mais enfin, c'est. Acheter moins, mais acheter mieux. Alors voilà, rien de bien. D'accord. Voilà, donc c'est la règle numéro 1 pour manger plus responsable. Achetez uniquement ce dont vous avez réellement besoin et ne faites pas vos courses. Je le disais tout à l'heure, notamment dans le test à la con, le ventre vide. Ah, et ça, parce que du tout, ça tente. Ouais, mais... alors la même chose, le faire avec le ventre plein, c'est pas bien non plus, parce que du coup, t'achètes moins et t'achètes pas assez pour la semaine, du coup. Je suis d'accord un peu. Parce... Non, mais. Alors vas-y. Mais vite fait, on a fait les courses avec Mathieu la semaine dernière. Tu te souviens, on a déjà plus rien dans le frigo. Oui. Il faut continuer jusqu'à samedi. Ah bon? Ah bah les pâtes, allez hop, équilibré. Et on a plein les pâtes multicolores. Mais il y a plus de pâtes dans les rayons, tu vois, les gens ils se sont jetés dessus. Mais non, mais pour revenir là-dessus quand même, sinon ce qui est bien c'est tu planifies tes menus à l'avance. Nous on fait ça depuis pas longtemps et ça marche plutôt bien, comme ça tu sais ce que tu dois acheter pour tes repas et bah du coup tu dépenses ni trop ni pas assez. Donc conseil suivant. On a fait vos courses près de chez vous, bien sûr. On fait les circuits courts. Donc plus vous achetez proche de chez vous, plus vous pouvez diminuer l'impact environnemental de vos achats. D'accord. Et bien sûr, petit bonus. Allez-y, appelez à pied ou à vélo. À pied ou à vélo, si c'est possible. Et bah oui, non mais effectivement. D'accord. Donc pardon, excuse-moi. Non, je pensais que t'avais fini, mais t'as pas fini. Donc ça fait que deux là. Ouais, bah continue, allons-y. Acheter local auprès de bons producteurs et de labels de confiance. Alors, quelques labels que vous connaissez certainement. Donc, il y a AOC, AOP, IGP. Mm-hmm. Tout le monde fait la différence entre AOC et AOP. Bah, appellation d'origine contrôlée, d'origine protégée pour le P. Et alors, IGC, c'est quoi? IGP. IGP, pardon. Géographique. Ah oui, d'accord. Mais tout le monde sait ce qu'est la différence entre AOC et AOP? À part que c'est contrôlé et protégé, ça veut dire qu'il y en a qui protègent la marque, l'autre qui contrôle, je sais pas. En fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que AOC c'est français et AOP c'est européen. Ah d'accord. Voilà. Okay. Ah bah c'est vous bon avez à savoir. Tout ce qui est label rouge, AB, donc là c'est pour la qualité liée à l'environnement. Vous avez les mentions valorisantes. Alors ça c'est plus pour par exemple tout ce qui est produit de montagne. Oui. Donc montagne ou produit du pays. Vraiment voilà. Et vous avez la qualité liée à une recette traditionnelle, notamment ce qu'on appelle le STG, spécialité traditionnelle garantie. D'accord. Voilà. Ensuite, bien sûr, attention au gaspillage. Acheter en vrac permet de réduire les emballages, mais également d'éviter le gaspillage en achetant la quantité exacte dont vous avez besoin. Voilà, donc comme on disait, faire les menus, finalement, ça marche bien. Exactement. Donc pareil, tout ce qui est DLC et DLUO, voilà, c'est pas parce qu'une date a été dépassée que vous devez jeter. Non, bien sûr. Alors DLUO, il n'y a pas besoin, c'est juste c'est que... Ça. La DLUO, ça va vraiment être la saveur quand vous allez la voir en bouche. Eh ben justement, l'autre jour, j'étais dans un resto et ils m'ont servi un coca qui était perdu depuis décembre 2019.
Donc les restos, il me semble qu'ils ont pas le droit. Non, même non, si c'est ah oui, parce que c'est de la consommation à externe. Et pour le coup, bah le Coca, j'ai eu. Il a pas tellement goût de coca, tu vois. Alors, c'est parce que c'était du Brescola, non? Je pense vraiment que tu t'es fait avoir avec un effet placebo, parce que deux mois, je pense que ça va rien changer. Mais oui, non, parce que je vais même te dire une chose, c'est que on était donc avec ma femme au resto, et puis elle a eu du coca aussi, mais elle avait pas vu la date, et elle aussi elle a trouvé qu'il avait un moins de goût, tu vois. Il était peut-être mal. C'était des bouteilles en verre? Des bouteilles en verre. Mmh. Ouais, là c'est chelou, par contre. Bon bref, on s'en fout. On s'en fout. En verre, j'allais dire peut-être que c'était le. Ouais, le plastique ou le. Bah, la canette, c'est la ferraille. Oui, ça finit. Et puis en fonction de là où c'est entreposé, peut-être que. Bon. Mais deux mois. Non, parce qu'un pourtant un bon coca dans une bouteille en verre, c'est bon. Non, mais ça reste du sucre, donc c'est un conservateur le sucre. Oui, oui. Ah oui, non, mais on peut en boire. C'est juste que ça perd ses qualités gustatives. On continue. Alors, on favorise bien sûr le bio et le sans OGM. Bon, le bio, chacun se fera son avis, hein. Voilà. Mm-hmm. Acheter des produits de saison, bien sûr. Oui. Voilà. Acheter des produits de saison est un gage de qualité de fraîcheur. Effectivement, si vous achetez des fruits, des légumes d'été en hiver, alors généralement, les bonnes fraises de décembre. Je pense que la qualité est bof et à mon avis, ils ont fait des bornes. C'est ça. Voilà, ils ont fait des bornes. Soyez conscient de votre consommation de viande. Donc voilà, notamment tout ce qui est viande, mais effectivement surtout de la viande rouge, parce que c'est les bêtes qui consomment le plus en tout ce qui est en eau, etc. Tout à fait, c'est ma bonne résolution de cette année d'ailleurs. Voilà, une fois par semaine, c'est très bien. Ça suffit. Hein. Ah oui, oui, et puis voilà. On peut se rabattre si vous aimez vraiment la viande. Il y a d'autres viandes qui existent, la viande blanche, le porc, etc. Si vous pouvez manger du porc. Je crois que j'ai fait le tour, attendez. Je crois que j'ai fait le tour. Eh ben, c'est très bien alors tout ça. C'est ça, voilà. Eh ben voilà, donc ça vous donne quelques petits conseils, quelques petites idées pour. Et juste une petite question, est-ce que quelqu'un autour de la table ou Clem avait déjà testé les produits feed? Moi jamais perso. Non mais ça. Alors, c'était pour juste tout, pour goûter. Ça m'a jamais tenté ce genre de produit. Moi ça me tenterait peut-être, mais pour le sucré. Ah oui. pas pour un plat, enfin ouais. Ouais, parce que ça te fait tout le repas là où je suis. Ouais, pas c'est quoi, ça, ouais. Honnêtement, moi ça m'a jamais tenté. Alors vous allez voir qu'ils nous ont pas payé. Franchement, ça m'a pas tenté parce que je me suis dit. Alors, c'est pour ça que ça m'a paru bizarre qu'ils prodiguent des conseils pour consommer responsable quand tu vois qu'ils font des trucs qui sont en poudre compactée et tu sais pas trop ce qu'il y a dedans quoi. Ouais. Non mais après, voilà, après les conseils ils sont ils ont une bonne presse hein, je crois. Bah il y a beaucoup de marketing autour. Ouais. Mais après alors je sais pas, j'ai pas d'avis, j'ai pas goûté ouais, parce que j'avais plus, testé ouais. À la Paris Games Week de l'année dernière, c'était juste les bars. Ah oui. Ils vendent des bars comme ah, ça. Ah oui aussi oui. Je crois que c'est censé quand même remplacer un repas. Ouais. Bon c'est vraiment pour dépanner hein, parce mais qu'il oui, faut pas ça. Prendre ça à tous les repas déjà. C'est ça. Mais même eux le disent. Et bon après c'est assez sec quand même. Enfin et puis le goût. Enfin ça fait bizarre d'avoir un truc qui a goût, je sais pas, de soupe de légumes alors que c'est une barre sèche. Ouais, bah, c'est voilà. Bizarre, j'avoue. C'est bizarre. Tu bon, voulais dire oui, quelque Paul, chose, tu voulais ouais. Dire quelque chose, tu voulais ouais. Réagir. Il y a Lopéli qui nous dit que c'est pas dégueu pour certains produits. Oui. Il dit que la vanille c'est la pire, voilà. Ah oui, mais la vanille, enfin, ouais, mais si elle dit que c'est le pire, ça veut dire que c'est pas de la vraie vanille, parce que de la vanille, comment dire, artificielle, il y a rien de plus dégueu.